Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui sur Massoulès, commune d'un tout petit peu plus de 200 habitants, mercredi 20 juin, milieu de matinée, très chaud aujourd'hui. Nous allons partir, comme à l'habitude, à la découverte des habitants de ce petit bourg pour connaître leur vie de tous les jours. Monsieur Tormène, bonjour. Oui, bonjour. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté notre proposition d'échanger avec vous sur votre vie ici à Massoulès. Vous habitez ici depuis longtemps, monsieur ? 40 ans. Depuis 40 ans, donc vous connaissez bien en fait Massoulès. Oui, assez bien, oui. Vous êtes, sans vouloir être indiscrète, vous êtes originaire Je suis originaire du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. De Clairac. D'accord, quand même un peu plus à l'ouest. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui vous a ramené sur Massoulès? J'ai vécu pendant plus de 15 ans sur les Alpes-Maritimes, mais bon, un jour j'ai eu l'opportunité de venir ici et depuis j'y suis resté. D'accord. La retraite ou vous avez non, été non, actif? Non, maintenant je suis à la retraite. Oui, et vous étiez à Massoulès en étant actif, j'imagine. J'ai travaillé pas mal sur Toulouse, j'étais dans le bâtiment, donc okay. Voilà. Des allers-retours? Des allers-retours. Le week-end. Le week-end. Voilà, parce qu'on était en déplacement tout le temps. C'est ça, voilà. c'est ça. Voilà, voilà. Donc vous avez pu construire la maison de vos rêves, est-ce que je peux oui, le dire comme oui, ça? Oui, c'est moi-même qui ai construit la maison. Ah, quand même? Ah oui. Vous avez combien de... Oui, j'étais artisan à l'époque. Pendant 7 ans, j'ai été artisan maçon. Comment se compose votre vie tous les jours à Massoulès? Ben, comme une vie de retraité. Hein. Dites-moi tout, parce que j'aimerais savoir ce qu'est une vie de retraité. Oh, ben, une vie de retraité, c'est la tranquillité, c'est les petits oiseaux le matin, voilà. Voilà, et puis le farniente. Farniente. Alors, question très pratique, quand vous avez besoin de faire des courses, vous allez jusqu'où? Ah ben, on va à Villeneuve-sur-Lot. Directement. D'ailleurs, on en arrive là, on vient. D'accord. On en arrive. Donc, vous voilà. Faites ça une fois par semaine? Oui, une fois, deux fois, ça dépend selon vos besoins, quoi. Selon les besoins, oui. La famille doit être ravie de venir vous voir ici La famille, elle habite... j'ai une de mes filles qui habite Dos, qui n'est pas très loin. Tout près, oui. Et l'autre qui habite au Radou. Ah ouais, donc voilà, et un garçon qui habite Bordeaux, mais voilà, lui il vient tous les week-ends pratiquement. Ah oui, d'accord, oui, donc oui, il est intéressé par le lieu dans lequel vous habitez. Oui, puis voilà, puis comme vous dites, on a des bonsaïs là-haut, donc il s'en occupe et voilà quoi. Bonsaïs, c'est une passion qui vous est personnelle ou c'est celle de votre fils? Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux, voilà. D'accord. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Eh bien, moi aussi. C'est gentil. Au revoir.